Mesdames et messieurs, bienvenue à Chemin Critique. À l'entame de cette émission, permettez-moi de faire un recul historique. Je vais recourir à quelques faits historiques que vous connaissez pour pouvoir installer très bien la thématique d'aujourd'hui. Il y a quelques années, je crois vers les années 90, alors que nous étions en pleine conférence nationale souveraine, ce soir-là, il y avait un oral. Le candidat Premier ministre va passer devant le président de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Mohsen Nguo, d'heureuse mémoire. Les candidats, c'était Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et ce jour-là, le président de séance va demander au Premier ministre candidat de l'époque, M. Étienne Tshisekedi, quel est le rôle du Premier ministre pendant la transition. Tshisekedi wa Mulumba va dire effectivement que de toutes les choses qu'il doit faire, le changement est au cœur de sa politique. Il avait parlé du changement radical. Le mot changement est au cœur de notre émission de ce jour. Nous prenons donc premier repère, conférence nationale souveraine a été mise en place pour opérer les changements dans le pays. Et l'homme qui avait prononcé ce mot pour la première fois, c'était Étienne Tshisekedi wa Mulumba. D'ailleurs, aujourd'hui, nous commémorons son départ dans l'au-delà, ce 1er février. Je voudrais donc dire qu'en 2019, beaucoup d'années plus tard, un autre président de la République, cette fois-ci, c'était Félix-Antoine Tshisekedi en 2019. Lui, il comprend que pour que son mandat aille de l'avant, il faut qu'il ajoute au changement radical un autre changement. Lui, il parlera du changement des mentalités comme étant une des conditions majeures pour pouvoir opérer la mutation vers une société démocratique. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous avez donc compris, nous parlons aujourd'hui du changement de mentalité et nous en parlons en 2024 à l'aube du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été réélu avec 73% pour un autre deal avec la population. Nous parlons du changement de mentalité comme étant d'une opération peut-être invisible directement mais dont l'impact est nécessaire et obligatoire. Nous en parlons parce que le président de la République avait mis en place, a mis en place, une structure qu'on appelle la coordination pour les changements de mentalité. Il y a eu des changements en 5 ans. Ces changements que nous avons tous opérés, nous avons vu ces changements, sont-ils dans la bonne direction? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, l'honneur de recevoir les coordonnateurs de la coordination pour les changements de mentalité. Monsieur Jacques Kangoudia, le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kalengai. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je vous prends vraiment à pied levé, mais c'est comme ça la République. Il faut répondre aux desiderata de la population. Vous êtes le coordonnateur, effectivement, depuis 2019. Vous avez travaillé sur ce paradigme du changement des mentalités. Aujourd'hui, nous entamons un deuxième mandat. Il est important que l'on fasse le point. D'abord, ce qui a été fait, c'est ce que ça a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et je voudrais vous demander vraiment, comme nous sommes dans les paroles fondatrices de ce deuxième mandat, que vous ne puissiez pas avoir le langage diplomatique. Dites les choses telles qu'elles sont, et dites-le de manière fraternelle, dites-le avec sévérité si c'est possible, mais dites les choses telles que vous pensez et qu'elles sont. Alors ma première question, elle entre en ligne de compte. Quelle est votre appréciation du changement des mentalités observé chez les Congolais depuis l'alternance 2019? Merci beaucoup, monsieur Kalengai, pour m'avoir invité sur votre plateau. Je voudrais aussi reconnaître ce grand homme dont vous avez évoqué la mémoire tout à l'heure là, le président Étienne Tshisekedi, en Lumba, de reste mémoire. Aujourd'hui, notre pays est en train de se souvenir de son départ. Son départ très... très difficile parce que nous croyons que le peuple congolais avait besoin encore de lui pour pouvoir bénéficier de son savoir, de sa sagesse, de son charisme, de sa capacité à pouvoir anticiper les choses. Donc il a toujours été avant-gardiste. Pendant que plusieurs pouvaient l'entendre, mais il était déjà dans ce qu'il disait 5 ans, 10 ans avant. Et aujourd'hui, après lui, nous avons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui marche sur ses traces. Et nous bénissons Dieu, moi en tant qu'homme de Dieu,
Donc ça me colle à la peau. Je ne peux pas m'en départir. Ouais. Il faut que je puisse m'associer à tous ceux qui aujourd'hui sont en train de méditer, de réfléchir, de se souvenir de sa mort, que son âme repose vraiment en paix. Donc après, je vais vous dire merci pour m'avoir invité sur votre plateau et aussi saluer tous vos téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent sur cette grande chaîne, cette grande chaîne Géopolis. Maintenant, revenir à votre question par rapport au changement. Le changement, c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a pas une autre voie du développement, de la progression, de l'épanouissement, de vivre ensemble, une voie de la prospérité, une voie de construire un pays plus beau qu'avant, si nous n'entrons pas dans cette dimension de changement. Et je pense que nous allons en parler. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de pouvoir parler sans langue de bois, de pouvoir parler à un homme assez libre, mais au même moment, je ne suis pas un homme totalement libre. C'est responsable. Bon, je suis responsable. Je pense que quand nous regardons, après le rapport de tous les observateurs, les missions d'observation qui ont eu à regarder les élections telles qu'elles se sont passées, elles ont dit une chose qui converge, qui va dans la même direction. Les élections se sont bien passées, il y a eu beaucoup d'irrégularités, mais qui ne modifient pas l'ordre d'arrivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections ont encore démontré à suffisance que nous avons besoin de travailler et de travailler d'arrache-pied pour pouvoir lutter contre les antivaleurs qui minent notre développement, notre épanouissement. Donc aujourd'hui, je suis à la tête de CICM, qui est la cellule d'innovation et de changement de mentalité, autrefois la coordination pour le changement de mentalité, qui a été une volonté du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, depuis 2019, vous avez vu un changement. Vous venez de dire que le premier élément qui vous permet de croire qu'il y a eu changement, c'est les rapports d'observateurs par rapport à ces élections. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent que ces élections sont déroulées sans coupure d'Internet, avec zéro mort, avec pratiquement des incidents isolés. Et il faut le reconnaître, il y a donc eu quand même dans l'observation un changement. Mais est-ce que ceci peut signifier que la mentalité a changé? Le changement de mentalité, on peut l'observer dans le comportement d'un peuple. Parce que le changement, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans le temps. Maintenant, on ne peut pas parler du changement après 5 années. Et nous existons tout simplement 4 années après. Donc ça veut dire qu'une année après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir. Il y a eu la remise reprise le 24 janvier 2019. C'est seulement en août que le service spécialisé, qui d'alors s'appelait la coordination pour le changement de mentalité, a été mis au point. Et puis en août, vous comprenez que l'année avait déjà août 2019. Oui, donc août 2019, cela veut dire que si nous pouvions commencer un véritable travail, c'était en 2020. En 2020. Donc 2020-2024 ou 2023, ça fait à peu près 3 années. Est-ce que l'on peut changer une mentalité des individus pendant 3 années, ces mentalités qui se sont ancrées véritablement depuis 1960? On peut parcourir toutes les périodes historiques de notre nation et comprendre que des mauvaises mentalités, de mauvais comportements, de mauvaises attitudes se sont durablement installées dans le chef de population dirigeant pendant autant d'années. Et penser donc les déraciner en 3 ans, c'est vraiment très prétentieux de notre part. Mais nous pouvons dire que beaucoup de choses ont évolué. Donc je peux dire que pendant les 3 années, non seulement les 3 années, mais un peu plus avant, je ne peux pas insulter sur la mémoire des Congolais. Donc, mais le peuple congolais a commencé à prendre conscience d'un certain nombre d'éléments. Que on ne peut pas relever notre pays si nous continuons à nous comporter de la manière dont nous nous comportons.
Donc, le changement commence d'abord par la prise de conscience d'un peuple que la voie dans laquelle il est engagé n'est pas la bonne voie, et faire un demi-tour, donc tourner à 180 degrés, prendre une autre direction, et c'est le travail que le président de la République a impulsé par le service spécialisé de la coordination pour le changement de mentalité. Nous allons demander à ces peuples, parce que nous avons fait un petit micro-baladeur, pour savoir si ces peuples ont conscience qu'il y a des choses qui doivent changer, et dans le domaine de la mentalité, quels sont les comportements que ces peuples proscrits, en tout cas, et surtout, quelles sont ses attentes par rapport à cela. Nous allons suivre cet élément et nous reviendrons sur ce plateau. Vous allez vous-même voir que votre travail a quand même touché un certain nombre de personnes. Suivons. Pour me faire comprendre, je vais m'exprimer un peu en lingala, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent suivre ça, et peut-être qu'ils comprennent le français. Le problème des changements, pour moi, à la base, c'est la justice. Puisque si la justice fait son travail d'une façon normale dans tous les domaines, les gens auront la facilité de changer. Puisque quelqu'un qui fait mal, quand on le punit, il subit le regard de la loi. Alors, c'est ce qui doit amener le changement. Et comme on le dit même dans la Bible, que la justice élève une nation. C'est la base qui est des changements pour moi, pour ce pays. Pour la population, tellement que chaque fois, on n'applique pas cette justice-là même sur le terrain. Les gens ne changent pas, c'est pourquoi vous verrez des gens, ils font ce qu'ils veulent, tout cela. Parce que ça, chaque mois, ça, les camps, où ils ont été lingi, alors ils ont été lingi. Les mêmes comportements, ils ont été lingi, ils ont été lingi. Moi, je suis lingi, par exemple, si je suis lingi, bah, tiens, poubelle, parfois, au lieu de jeter une indice dans la poubelle, il y a un bois qui est belé. Tout ça, puisque si ce type-là, monte à sali, bon, par exemple, si on a un pini, il y a un sali, ça doit lui corriger. Mon exemple, par exemple, c'est ça. La plupart des cas, nous souffrons vraiment en tant qu'humains, surtout dans le chef de nos jeunes, hein, parlons de la jeunesse, les jeunes gens. Ce que l'on appréciait, ce que l'on vantait comme valeur par rapport à nos parents, à nos ancêtres, aujourd'hui, ça envoie des disparitions. Je peux le dire, ça envoie des disparitions. Nous remarquons le manque de respect d'abord, le manque de respect dans la plupart des cas, des jeunes filles comme jeunes garçons. Ils ne savent pas voir même l'extérieur de l'autre, quoi. Vous êtes par exemple devant un vieux, un plus âgé que vous, mais vous tenez un langage très insolent, vous vous manifestez trop supérieur à celui qui devait normalement être supérieur. Ça, c'est sur le plan de la politesse. Par rapport à l'environnement aussi, c'est vraiment déplorable. Nous-mêmes, nous croyons que la ville est sale, notre pays est sale, mais nous sommes la cause même de cette saleté. Il y a quand même l'installation des poubelles, par exemple, ça et là. Mais vous allez trouver quelqu'un, il mange quelque chose, il prend les sachets, les papiers ou l'emballage de ce qu'il vient de consommer, il jette juste à côté de la poubelle, il jette. Alors qu'il devait juste faire un pas, un peu de volonté et d'humanité jeter dans la poubelle. Et même au bord de bus, nous remarquons ça aussi, quelqu'un prend de l'eau, du jus, en pleine circulation, il jette la bouteille comme ça. Donc ça fait vraiment mal tout ça. Même dans nos ménages aussi, on ne sait pas gérer nos déchets. En pleine rue, comme vous êtes sur la voie principale, vous sortez de chez vous, de votre parcelle, vous venez jeter la saleté sous la voie publique. C'est vraiment quand même incroyable, c'est étonnant. Et on cultive ça comme... Quand vous interpellez, on vous dit « Yondo kobongisa Congo ». Alors, ça fait mal. Congo, ezayayo, ezayanga, ezayabisonyos. L'État est le garant, non, comme on dit, de la nation. C'est lui le papa. Et nous, la population, les habitants, nous sommes ses enfants. Dans une famille, c'est le papa qui tient les bâtons de commandement. Quand on parle du commandement, on voit la discipline, l'organisation. Donc, bonne conduite. En tant que garant de la nation, il a ce qu'on appelle aussi le devoir régalien. Donc, il est là pour réglementer, organiser la vie dans la société. Il y a, je suis dans la joie, on vient de faire des élections trop spéciales, vous avez vu ça. Spéciales, j'ai parlé du niveau de vote. Hein. Nous sommes allés voter même au niveau de communes.
les municipales. C'est ça leur travail. Ils sont organisés dans des quartiers. Il y a les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de rue. Alors, s'ils donnaient l'occasion à ces gens de travailler dans nos quartiers, en tout cas, qu'ils ne soient pas la belle. Parce que ce dernier, ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir. Ils sensibilisent leurs quartiers, les avenues. Au cas où ils ne font pas les salons, par exemple, il y a des sanctions. On passe, on trouve par devant chez vous salle, toilette, cuisine, bacaniveau, nabino. Bacatele, nos sanctions. Qui va aimer chaque fin du mois, qui fout à $50, $100 pour Bamona qui pourrait être saleté? Personne. On peut partir d'abord même de là, au moins avec le temps, changement. Et puis mettre des services, des agents, net dans la voie publique, par exemple. On jette aussi des déchets, mais la poubelle est à la paix vidéité. Au moins, la poubelle est à la paix vidéité, mais tondi et constitué sous cette source. Alors que s'il y avait un service permanent, évacué à car, et Zolandela, même Moutassaye, qu'on boit à côté, a interpellé, ou bien il y a Zui, à Thier, ça va quand même réveiller la conscience de ceux qui font pour tomber ça. Donc, tout revient à l'État. Et de la part de la société, les habitants, c'est avec des sanctions permanentes et durables. C'est seulement comme ça que Toko revivre un peu, vent en aïe, il y a changement, il y a bonne hygiène, il y a beauté, il y a Mbokanabiso. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous avons laissé deux personnes parler avec beaucoup de liberté et vous avez suivi. Si c'est pour résumer, M. Jacques Kangoutia, la justice est au cœur de cette responsabilité. Ils disent que si ça continue, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Mais vous avez quand même suggéré des actions pour promouvoir les changements de mentalité. Je ne pense pas que vous avez un jour amené des gens au parquet, je ne pense pas. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées, indépendamment de ce qu'on vient de nous dire, nous reviendrons là-dessus. Mais ce que vous avez fait pour que les gens changent de mentalité. Merci beaucoup, M. Kalingay. La justice est un pan de la société. La justice fait partie de la société. Et tous ceux qui sont dans la justice et qui sont appelés à faire justice viennent de la société. Donc si cette société est dans l'état où elle se trouve, cela veut dire que même aussi. Ceux qui sont dans la justice... sont aussi impactés par les réalités des antivaleurs de la société. Et ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, le président de la République, pendant son premier mandat, il a fustigé cette justice à l'entreprise. Donc aujourd'hui, à la tête de cette justice, nous avons le pasteur, si on peut dire ça comme ça, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Donc le pasteur Kamouleta de Guinée. Il est en train de bousculer les choses. Et je pense que les habitudes qui se sont installées pendant des années, on ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas demander à ce que, comme paraît... Donc on ne peut pas demander à la justice de faire ce qu'elle n'a pas. Non, non, on ne peut pas demander à cette justice, dirigée par, si on peut dire ça comme ça, par le pasteur Kamouleta, le président du Conseil supérieur de la magistrature, de pouvoir, par un bâton magique, changer les choses. Il est en train de travailler. Et demain, la justice... jouera véritablement son rôle, le rôle de la coercition, le rôle du gendarme, afin que tout celui qui pense que son comportement peut être impuni, peut rester impuni, pourra comprendre qu'il se trompe et les choses sont changées. Mais vous avez fait quoi exactement? Parce que si la justice, et vous avez raison de le dire, si la justice n'était pas encore réhabilitée elle-même, mais vous avez quand même agi, tout à l'heure on voit des images, on vous voit sur le terrain, quelle a été la stratégie mise en place par... la coordination. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vous en prie, vous avez le temps de le dire. Parce qu'on vous voit sur le terrain. Regardez, on vous voit sur le terrain. Merci beaucoup. Nous avons fait beaucoup de choses. D'entrée de jeu, je vais tout simplement d'abord vous dire que quand nous sommes arrivés, que la coordination pour le changement de mentalité est devenue CICM aujourd'hui, c'est l'île d'innovation et de changement de mentalité, a été créée par le chef de l'État. Donc, il n'y avait pas un précédent. Cela veut dire qu'il n'y avait pas un repère dans le passé. Donc nous devrions mettre en place une intelligence pour savoir comment, par quoi nous devons procéder pour pouvoir changer la mentalité. Donc nous mettre dans le processus du changement de mentalité. Et ça a commencé avec la première réunion, c'était comme hier,
nous avions convoqué les associations au niveau de Béatrice, où nous voulions travailler avec des organisations non gouvernementales pour leur montrer que donc c'est vous qui êtes les acteurs sur terrain pour que vous puissiez nous accompagner afin que nous puissions changer de mentalité. Parce que la mentalité, changer de mentalité, ce n'est pas une question d'institution seulement. Ce n'est pas une question d'un service spécialisé. C'est une question de la population. Donc voilà. Maintenant, quant à votre question, qu'est-ce que nous avons fait ? Vous l'avez vous-même montré, nous avons fait énormément de choses. Vous avez sensibilisé. Nous avons sensibilisé. Par rapport à ce que je vis là, j'ai vu, c'était le civisme routier. Oui. Le civisme routier. Alors que nous avons aujourd'hui des embouteillages sans que jamais... Mais monsieur Kalingaï, le peuple congolais peut changer. Il peut changer lorsque on le prépare au changement et on l'entraîne dans le changement. Nous avons recruté quelques jeunes que nous avons formés avec Saint-Père, avec la police nationale et congolaise, avec quelques parties prenantes. On a pris le temps de pouvoir former ce jeune et nous les avons déployés pour qu'ils soient à côté de la police nationale de circulation routière afin de pouvoir leur venir en aide. On a bénéficié de certaines aides de certaines organisations, de certains partenaires comme par exemple UPAC, qui chaque matin nous livraient du pain à donner à ces jeunes gens pour les renforcer. Ce qui fait que dans tous les carrefours où ils ont été déployés, ces jeunes gens ne prenaient pas le pourboire qui venait des usagers de la route. Mais ils faisaient correctement leur travail. Mais pourquoi vous avez arrêté ça? Oui, nous avons arrêté. Pourquoi? C'est... Oui, parce qu'il n'y avait plus de moyens. Oh là là là. Parce que au-delà de ce que nous bénéficions de la part de l'UPAC, je viens de le dire, de certaines personnalités qui étaient vraiment généreuses, on donnait à ces jeunes, à la fin de chaque mois, une rente de survie dans laquelle il y avait leur transport et il y avait aussi un petit rien pour les encourager parce que c'était des volontaires. Ouais. Donc voilà, c'est ce que nous faisions. Mais là, au bout d'un moment, 6 mois après, alors que les habitudes commençaient à s'installer dans le chef de Congolais, on voulait même étendre cela. Dans la province. Non, d'abord sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, dans les carrefours chauds, c'est-à-dire vers Rond-Point Gaba, à Massina, partout où il y a la concentration de la population. Maintenant, le chef de l'État avait pris, dans une de ses communications au Conseil des ministres, il avait demandé à ce que ça ne, termine, ça ne s'arrête pas. Bon, il y a eu des réunions qui se sont tenues, il fallait dégager les moyens, bon, voilà. Les moyens ont manqué, et ici, je crois qu'on était obligé de pouvoir arrêter. Le gouvernement et toute sa sphère financière n'a pas suivi, donc on ne peut pas se plaindre aujourd'hui d'avoir des embouteillages si la solution était là, on ne l'a pas implémentée, c'est les moyens qui ont manqué. Alors, ben, évidemment, vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit, le peuple, il faut le préparer au changement, et il faut l'entraîner au changement. Parce que la mentalité, c'est une question essentielle. C'est un processus. Un processus essentiel. Alors, nous avons interrogé un professeur d'université, qui est, lui, spécialiste de l'histoire des mentalités, le professeur Kambay Boatia. Il intervient dans une première partie où il parle un tout petit peu de la mentalité, pour que nous voyons la difficulté avec laquelle vous avez travaillé, parce que les chantiers de la mentalité, ce n'était pas un changement de costume, c'était un changement de paradigme, un changement important de direction. Suivons le professeur Kambay Boatia dans cette première interview. C'est une question importante et fondamentale parce que tout est mental, tout est mentalité, tout comme tout est communication. Donc, qui parle de mentalité voit comment la mentalité se communique. Mais, comme j'ai toujours dit, on ne peut pas parler mentalité d'un peuple au point de vue fondamental et sans parler de cela en langue et culture étrangère. Nous avons été colonisés par des étrangers, nous avons adopté le français comme notre langue de communication. Est-ce que maintenant nous pouvons dire qu'en communiquant en français, comme on le fait maintenant, on traduit exactement ce que nous pensons? Penser égale traduire une mentalité. Les Grecs ont bien compris cela en utilisant le terme mental. Mais si vous allez dans les dictionnaires de grec,
ou de latin, on dit dans le mot mental, il y a le mot mentire et il y a le mot mentir. Ça veut dire qu'il y a le comportement que vous traduisez pour mettre cela en lumière, mais attention, attention, en mettant son comportement en lumière, celui qui le voit doit faire attention. Est-ce que c'est ce que vous voyez, est-ce réellement le contenu de ce que vous voyez? Vous voyez? Donc, mental, c'est une façon de voir et traduire ça en vous-même pour le bien. J'insiste beaucoup pour le bien. Donc, mentalité, c'est une façon de voir, c'est être voir pour le concevoir, oui, voir, concevoir, kobota, si je peux exprimer ici en lingala, kobota, nabota nini. Ce qui n'a kanisi boye, vous voyez, ce qui n'a kanisi boye, na kobota nini, pour na bien angai, pour na bien peuple angai. Mentalité finalement devient cette façon de voir. Mais attention, je ne peux voir que dans le bien. Vous voyez, mental, mentalis. Maintenant, je veux parler de changement de mentalité. Comment voyez-vous les élections, Willy? Nengenini, osako tala. Tala, tala. Tala, mental. Alors, quand quelqu'un, un philosophe qui s'ignore, vous allez deviner, je ne vais pas sa propagande, un philosophe qui s'ignore, qui dit « Kitoko yamwasi ebongi abima po balulaye. Yayo kitoko otike nanda ko liboso ya tala tala. » Vous voyez, donc, votre mentalité... C'est à vous-même, le talatala vous trompe. Le talatala vous trompe. Donc, le talatala, faites attention, la façon de voir vous trompe. Ainsi, le monumental, vous voyez, peut vous tromper. Il faut donc entrer à l'intérieur du monument pour voir tala, pour que vous soyez capable de vous faire l'idée de ce que vous voyez. Donc, on ne nous a pas montré ça. On n'a pas dit qu'est-ce que c'est les élections. Il y a élections. Comme on dirait en Europe, en France, est-ce que nous voyons les élections de la même manière que les Français? À la fin, ça donnera quoi? Et comme nous voulons le voir comme les Français, c'est fini, nous sommes piégés, ça va tomber en désuétude. Voilà, ça c'est le professeur, c'est les savants qui dit des choses telles qu'il les ressent avec... sa science de l'histoire des mentalités, en fait, on comprend que ce n'est pas aussi simple. Pour que les gens changent, vous devez les entraîner au changement, mais il faut définir ce changement. Il faut donner les objectifs de ce changement, au quotidien, comme dans la perspective. Alors, comment vous avez fait pour que le Congolais vous suive, parce qu'ils ont quand même suivi, quels sont les indicateurs que vous avez mis en place et pour que l'on puisse bénéficier de ce changement et qu'on puisse l'évaluer? En fait, les indications, les indicateurs, nous les avons mis par rapport à nous-mêmes pour pouvoir évaluer le niveau de changement. Mais en réalité, par rapport à ce qu'il est en train de dire, le professeur Jean-Richard Kambaye-Boacha, il dit des choses qui sont très profondes et très vraies. Vous savez, on ne peut pas changer s'il n'y a pas de repère au devant de nous. C'est le repère qui nous pousse au changement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que sans repère, il n'y a pas la possibilité de changer. Je vais vous donner un exemple, M. Jean-Willy. Depuis 1998 ou 97, lorsque le président Désiré... Joseph Moïse Mobutu. Non, Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. Il a fait 3 ans. Et déjà, avant qu'il arrive, il y avait déjà des antivaleurs qui étaient déjà ancrées dans notre population. 3 ans. Après lui, c'est Joseph Kabila qui arrive 18 ans. Ça fait 21 ans. Après lui, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5 ans.
Quand on fait le total, ça nous fait 26 ans. Maintenant, imaginez-vous un enfant de 26 ans, c'est toute une génération. Parce qu'une génération, c'est sur 25 ans. Mais un enfant de 26 ans, ça doit être un responsable, ça doit être tout ce qu'on peut dire. Maintenant, qu'est-ce que cet enfant ou ce jeune homme ou ce jeune responsable, parent, a eu comme repère devant lui? Alors, lorsque nous regardons le 26 ans, on regarde des îlots d'intégrité, on regarde des repères qui se sont présentés au devant de nous, on se rend compte que nous avons navigué à vue, sans repère, sans modèle, en ce qui concerne les valeurs. Mais nous avions eu quand même de repères, de modèles en ce qui concerne les antivaleurs. Par exemple, Chance et Lokopamba, c'était un repère, c'était un modèle, c'était devenu un slogan. Donc tu peux te réveiller le matin et tu deviens ministre. Chance et Lokopamba. Donc, ne pas travailler et estimer que je veux avoir le moyen demain, je veux avoir de quoi nourrir ma famille, c'est un modèle, c'était un repère. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces changements dont vous parlez, que nous devrions, on va dire, instiller dans la population, ne pourrait passer que par des modèles, des hommes qui sont de référentiel dans la société et qui nous montrent par leur comportement, leur savoir-être et par leur savoir-faire et même leur savoir que si vous suivez cet homme-là, donc vous pouvez gagner honorablement votre vie. Maintenant, à la question que vous avez posée. Je vous ai dit tout au début que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de référentiel. On n'a pas trouvé un seul document. On n'a rien trouvé. Vous avez tout inventé. On devrait tout inventer. Comme si on réinvente la roue, alors que nous avions essayé de pouvoir tout réinventer. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, pas avec totale satisfaction, qu'il y a un travail qui a été fait. Parce qu'il y a des références. Il y a des documents, des éléments qui peuvent permettre à ce que dans les 5 ans à venir, nous puissions continuer. On a parlé aujourd'hui, tout à l'heure là, de civisme routier. Mais il y a eu aussi civisme fiscal. Et lorsque nous avons lancé cette campagne de civisme fiscal, c'était une campagne de civisme fiscal et de gestion responsable de deniers publics. Et nous avons réalisé les deux volets. On a recruté, tenez-vous bien, à peu près 1700 jeunes que nous avions formés et qui ont battu le pavé et qui ont fait la campagne porte à porte dans 13 communes de la capitale pour aller sensibiliser à nos populations que nous pouvons changer notre pays si nous prenons conscience de pouvoir chacun payer son impôt, ses taxes, ses redevances. Mais là, il fallait terminer la première partie. Comme et puis toujours, les moyens ont manqué. Il n'y a pas eu le moyen. Dernièrement, pour la deuxième partie de la campagne, nous avions organisé avec l'IGF, avec M. Gilles Anguete, on a organisé donc, la gestion responsable des deniers publics avec les entreprises de l'État et du portefeuille, donc au Pullman, où nous avions réuni à peu près plus de 200 entreprises publiques de portefeuille. Et lorsque nous avons fait cette conférence, M. Gilles Alinguete a été représenté par l'inspecteur général adjoint, chef des services Batou Benga. Il était là, il nous a donné des chiffres, mais qui faisaient froid dans le dos. Donc ça montre que la détermination est là, parce qu'il y a la volonté politique du chef de l'État qui veut que nous puissions changer notre pays, changer les mentalités, et nous l'avons emboîté les pas pour pouvoir concrétiser sa volonté, et c'est comme ça que nous avons. Donc, les exemples sont là, mais est-ce que nous pouvons dire que c'est suffisant pour pouvoir commencer à voir, comme le professeur Jean-Richard Cambay-Boitier vous a dit, que talatala, tu te regardes, mais il faut aussi que ceux qui te regardent te disent. Baloulayo. Exactement. Voilà. Baloulayo. Il ne faut pas seulement dire je suis très beau, voilà. Il faut sortir dehors pour que l'on vous puisse. Mais c'est tant bakoloulayo que celui qui te regarde. Yazali Koloulayo, et qui peut commencer à t'emboîter le pas pour dire je veux aussi être voilà. Comme lui. Alors, une chose quand même, parce qu'à ce niveau de notre échange, le président Félix Tshisekedi est arrivé, il a mis en place la structure. Vous me direz pourquoi du CCM on est allé au CCXM. Bon, les changements, je comprends déjà qu'il y avait innovation, mais
C'est pendant ce mandat que, en tout cas, il y a eu tant de dénonciations dans les comportements des tirous de l'élite, des détournements des ressources, des emprisonnements, des enquêtes. On n'avait jamais détourné, on n'a jamais volé autant que l'on a volé pendant ces 5 dernières années. On l'a dit, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le président lui-même en a parlé. Comment pouvez-vous expliquer que, alors qu'il y a l'instrument de changement des mentalités, alors qu'il y a quand même la volonté politique de changement, comment on a pu voir se développer des comportements aussi antipatriotiques que nous avons vus ici avec des hommes proches même du président? Excuse-moi, je ne sais pas si on a plus volé pendant les 5 années qu'on a, nous a eu bon, à ça, le faire avant. Donc, on en a beaucoup vos propos, n'engagent qu'à vous-même. Mais cela veut dire que donc ce que vous dites, c'est qu'on a mis en lumière le mauvais comportement. Le mauvais comportement de vol qu'on n'en avait pas mis avant. Est-ce que cela veut dire qu'on a volé plus aujourd'hui que hier? Je laisse les observateurs continuer le débat. Ce que je vais tout simplement dire, c'est ceci. Donc c'est parce qu'il y a de l'interdit qu'on a tendance à pouvoir aller à l'encontre de l'interdit. Et tous ceux qui regardent et qui se disent « le président de la République est en train de lutter contre ces antivaleurs », voici, maintenant, il y a plus d'antivaleurs. Non, non, il n'y en a pas plus. Maintenant, il y a tout simplement une forme de l'observation de ces antivaleurs qui existent. Parce que l'homme n'a pas changé. Vous n'allez pas me dire que l'homme, pendant ces 5 ans, est devenu médiocre qu'il l'a été avant. C'est tout simplement la question, la thématique est venue tout simplement... Il est en actualité. Est venue tout simplement dévoiler tout ce qui était en sourdine, tout ce qui était caché. Maintenant, vous avez dit quelque chose de très capital et de très, très, très important. Le professeur Mounambali, qui est le DG de l'OCEP, m'a dit une fois, lorsqu'il a été nommé et qu'il voulait mettre en place les instruments pour pouvoir réglementer et lutter contre, contre les mauvaises dépenses publiques, la corruption consort, il est allé auprès de députés, consorts, voici ce qu'on lui a dit. As-tu déjà vu un poisson, parce qu'il militait pour avoir, on va dire, une loi anti-corruption, as-tu déjà vu un poisson donner l'hameçon au pêcheur pour qu'il vienne le pêcher, ou l'appât à l'hameçon? Donc c'est pour dire que la résistance au changement profite à une catégorie d'individus. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que, c'est comme Mobutu disait à son époque, le père son âme, que lorsqu'on veut arracher un certain peuple, une certaine nation, le beefsteak de sa bouche, Mobutu devient un homme à abattre. Donc ça veut dire qu'à tout moment que le système qui a été érigé et qui profitait à une minorité, à une petite clique d'individus, lorsque ces systèmes, on est en train de vouloir s'abattre, ceux qui vont s'élever contre ces systèmes, ce n'est pas toute la population, mais c'est ceux à qui ces systèmes profitent. Ce qui me permet de vous demander, quels sont vraiment les obstacles? Vous avez déjà expliqué l'obstacle des moyens, nous le voyons. Vous avez mis en place des opérations qui n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais ça, on peut comprendre ça. Mais quels sont les autres obstacles? Vous avez été confronté à ces obstacles qui ont empêché le succès total de toutes les politiques de changement de mentalité. Je peux dire que le premier obstacle, c'est l'homme congolais lui-même. L'homme congolais lui-même dans ses différents segments. Donc on commence par les autorités. Excuse-moi, le peuple mérite... Les autorités qu'il a. Non, les autorités, ils sont parmi les premiers obstacles. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils font, les autorités? Qu'est-ce qu'elles font, les autorités? Mais excuse-moi. Si tous nous prenons conscience, parce que le peuple nous regarde, il est en bas, il regarde vers le haut. Donc, cela veut dire que l'exemple vient d'en haut. Alors, quand le peuple nous regarde, et il se rend compte que chacun est en train de faire tous ses efforts pour gérer correctement les responsabilités, le denier public, ce qui lui a été donné de gérer. Lorsque le peuple regarde que telle
est en train de se comporter comme il se doit en modèle. Lorsqu'il arrive au travail, par exemple, à 8 heures selon la loi, et il quitte vers 18 heures selon la même loi, il n'arrive pas à 14 heures, donc juste pour pouvoir marquer de sa présence. Et repartir. Et repartir à 15 heures. Qu'est-ce que le peuple... Parce que le peuple voit tout ça là. Lorsque le peu de moyens que le gouvernement peut s'efforcer de pouvoir allouer à certains projets, ces moyens sont détournés. Et le peuple le voit. Même si vous pouvez masquer ça avec de gros mots, avec des grands discours, avec des vocabulaires, avec des mots savants, le peuple sait que non, il y a un mensonge dans cette affaire. Comment voulez-vous entraîner le peuple dans le changement? Donc, le premier obstacle du changement... C'est l'autorité. C'est le Congolais. Et au premier rang... C'est l'élite. C'est l'élite. C'est l'élite. Parce que le leader est appelé à diriger et faire suivre le peuple. Mais il n'y a pas de mauvaise troupe. Il n'y a que de mauvais chefs. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Angoudia, mais comment... comment on explique ces obstacles dans un pays où il y a tant de chrétiens? Vous-même, vous êtes un pasteur. Le président de la République est allé même au stade avec vous à côté, je me rappelle bien. Vous êtes même parmi ceux qui ont fait la prière pour dédier cette nation à Dieu. Il y a tant d'églises. Tout le monde, les églises sont remplies les dimanches. Et les églises sont supposées être des lieux de transformation spirituelle. Donc, les églises produisent de bons citoyens. Comment dans un pays où il y a autant d'églises, autant de foi, le comportement citoyen est un comportement déviant? Est-ce que l'Église n'a-t-elle pas échoué sa mission? Merci beaucoup. Je pense que vous avez mis le doigt. Donc, il y a 4 agents de socialisation. Oui. Le premier agent de socialisation, c'est la famille. Oui. Donc, lorsque le citoyen, l'enfant arrive dans la famille, c'est là où il doit être pris en charge. C'est là où on lui apprend les béaba de la vie dans la société. Dire bonjour, dire merci, et pas s'en prendre aux choses de l'autre. Être tolérant, être patient, ne pas être égoïste, ne pas être tribaliste. C'est la famille. Et, l'école devient la prolongation de la famille. C'est le deuxième agent de socialisation. Donc l'école. Lorsque l'école récupère l'enfant qui a commencé ses premières bases en famille, l'école amplifie cela. Et le troisième agent de la socialisation, c'est l'église. Maintenant, l'enfant qui est pris à l'école et qui va à l'église, on lui donne de valeurs. On va dire ces valeurs chrétiennes, de ces valeurs pour certaines religions musulmanes, bouddhistes et consorts, on lui donne de valeurs. Et après, le quatrième agent de socialisation, c'est le média. Donc, parce que le média n'a pas seulement le rôle d'informer, mais aussi le rôle de former. Et aussi, je vais ajouter, si on ne l'avait pas eu à l'IFASEC, donc c'est aussi d'éduquer. Ouais. Parce que le média doit éduquer. Maintenant, quand on regarde cette chaîne, vous allez remarquer que nous avons un problème très sérieux. Partout. Au niveau de la famille, les familles sont totalement déstructurées. Quand on va à l'école, donc avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement, qui est une très très bonne mesure, mais beaucoup d'enfants étaient exclus de l'école. Et même là, nous avons des classes où nous avons 60-80 personnes, dont 80 élèves. Et les professeurs ont du mal à pouvoir suivre chaque élève d'une manière individuelle. Ça va venir. Le chef de l'État a lancé le PDL 145 territoires où on est en train de se construire plusieurs écoles, ce qui fait que les écoles seront désengrogées. Quand on va à l'église, ben excusez-moi, vous avez dit que je suis pasteur. Oui. Je n'ai pas dédié le pays, mais j'ai participé ou j'ai organisé Cette cérémonie oui. Pour que le chef puisse pouvoir rendre grâce à Dieu et dédier le pays à Dieu. Mais quand on regarde, il ne faut pas se voiler la face. Il est aujourd'hui temps que nous puissions nous regarder dans les talatala et que nous puissions dire des choses avec beaucoup de sincérité et de vérité. C'est comme ça que nous allons changer notre société. Mais l'église est devenue, excusez-moi, le lieu où il y a plus de cris, des incantations, que le lieu où les gens viennent et ils sont touchés dans leur âme pour pouvoir changer leur façon.
même au sein de l'Église, vous allez trouver des corporations, excusez-moi. Même au sein des églises. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus un exemple. Que ce soit l'Église catholique qui est en conflit avec l'État, que ce soit les églises des réveils, que ce soit les autres églises africaines, nous, on ressent vraiment que la hauteur spirituelle n'est plus que... C'est tout cela. Oui, mais c'est ça le problème. Lorsque l'Église qui était, on va dire, la dernière digue, hein, pour pouvoir apporter le changement et en déconfiture, excuse-moi, bon, beaucoup de pasteurs qui vont regarder. Non, il n'y a pas. Ils vont me vilipender. Je vous ai dit qu'il faut avoir le langage exact. Mais je vous dis que si l'Église jusque-là n'a pas fait un travail du changement, prenons l'exemple, monsieur Willy Kalingaï. Il y a eu 44 millions de enrôlés. Obama, si on veut élargir, pour dire, il y a eu 50 millions d'adultes. Oui. Même si 6 millions n'ont pas été enrôlés, si on regarde Massissi et les autres, qui n'ont pas été enrôlés. Prenons 50 millions. Ça veut dire que nous avons 50 millions d'adultes dans notre pays. Et si on dit que l'Église dans notre pays est à 80%, donc 80% sont ceux qui prient. Donc soit l'Église de réveil, soit musulmans, soit les autres. 80%. Donc 80% de 50 millions, c'est 40 millions. Maintenant, les embouteillages, les déchets qu'on voit partout, vous pensez que ce sont les païens? Non, c'est des chrétiens. Regardez votre caméra. Mais voilà. Ce sont des gens qui ont la onction. C'est des gens qui viennent de parler en langue, qui viennent de parler en langue, qui viennent de prophétiser, oui, qui ont prié du matin jusqu'au soir. Et quand ils sortent de là, les comportements, les attitudes ne correspondent pas au Dieu qu'ils prient, qu'ils invoquent. Donc, on va dire que au lieu que l'Église soit une solution, l'Église devient un problème. Un problème. Nous allons prendre la deuxième partie parce que nous sommes allés vers la fin de cette émission. Le prof Kamba, il revient encore et pour pouvoir un peu voir les solutions. Comment on fait pour sortir cet imbroglio? Dieu merci, vous avez été correct, vous avez dit des choses telles qu'elles sont vécues. Surtout que vous êtes un pasteur, ça veut dire que votre niveau d'objectivité vient encore d'augmenter. Suivons cette deuxième partie. De toute façon, en premier lieu, je veux dire que tant qu'on n'a pas expliqué dans nos langues qui sont après tout les mêmes, parlez-moi le monde calmement, je te parle de Chiluba calmement, au fond des comptes, nous disons les mêmes choses. Parlez le Tchoukwe, parlez le Sakata, parlez tout ce que vous voulez pour l'Afrique, même jusqu'à l'Afrique du Sud. Si nous allons dans le fond, dans le proto, nous parlons la même chose. Donc la mentalité, c'est une façon de voir, de revoir, de prévoir, de l'être, la chose pour mon bien. Comme mon bien ne peut être que collectif, mentalité devient alors façon d'engue, façon de voir qu'au là pour le bien de la communauté. Pour le bien de la communauté. Alors, si on a saisi cette définition-là, de toute façon, il est difficile de définir. Si on a saisi cette façon de concevoir, alors là, on peut dire, pour moi, le Congolais, la ville de Kinshasa doit être vue comme ceci pour le bien des Kinois. Mais si vous venez seulement à Kinshasa, vous dites changement de mentalité, ça veut dire, ici, il y avait fou les Alakiawa, c'est quoi, fou les Asusuté. Mais videz votre foule, 3 jours plus tard, l'État a Kosala. Alors moi, gouverneur de la ville, moi, ceci de la ville, qu'est-ce que je ferais? Je vide aujourd'hui, je demande l'argent à l'État, l'État me donne, je bouffe un peu, ça recommence. Donc la mentalité, c'est une façon de voir, ou l'habitude de voir, perpétuelle, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la personne, de la famille, de la communauté et de la nation. D'abord, la mentalité, à la fois tout ça, ça se construit. Mais où est la base de la mentalité? La base de la mentalité, c'est l'homme, c'est la famille, c'est cette personne qui est habilitée à,
à donner, à faire concevoir la mentalité. C'est la famille, c'est la communauté. Après tout, pour aujourd'hui, dans la citoyenneté, c'est l'État. L'État qui... Nous avons mis l'État devant la scène pour que l'État nous dise qu'est-ce qui est bon et nous enseigne comment voir le bon pour le bien, pour le bon et pour le vrai. Un citoyen signifie le situ, c'est le propriétaire du lieu. Le situ, en Kikongo, signifie le propriétaire du lieu. Comme dans votre téléphone, quel est votre site? Si votre site est brouillé, vous n'avez pas de communication. Donc soignez d'abord le site. Notre site, c'est le Congo. Comment doit être le Congo pour que nous soyons bien? Comment je le vois? Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Monsieur le Recteur, pour moi, le Congo, pour le bien, je le vois comme ça. Alors là, je conçois ma mentalité. Alors, il faut des gens qui doivent maintenant enseigner, faire pratiquer, n'est-ce pas, comment voir? Comment voir? Ce qu'est une université? Ça veut dire, comment voyez-vous une université? Ce qu'est une institution de communication? Ça veut dire, ce qu'est une communication et comment une communication doit être? Donc, comment doit être l'IFASIC? Comment doit être le professeur de l'IFASIC? Ce qu'est une université? Ailleurs, en Amérique, au Canada, partout, avant de faire une université, on a des idées sur l'université à créer. Ça veut dire, je dois voir la mentalité pour mon bien, pour le bien de mon peuple, que je dois inoculer pour le bien. Donc je crée une brigade de la mentalité. Des gens qui doivent aller ailleurs pour enseigner. Donc les missionnaires de changement de mentalité. Donc l'État doit créer des missionnaires. Et pour le créer, si l'État ne le sait pas, toutes ses ventes, il doit appeler les gens qui doivent être à son tour, à son alentour, pour inoculer les nouvelles mentalités. C'est quoi, finalement? Les nouvelles mentalités signifient, tu vois ça comme ça? Ça doit être comme ça. Jadis, ça a été comme ça. Non, désormais, ça doit être ceci. L'élection, jadis, c'était ceci. Non, désormais, ça doit être ceci. Jadis, on imposait. Donc, une seule personne a imposé sa façon de voir la mentalité. Non, aujourd'hui, pour le bien. C'est la mentalité. Vous comprenez? C'est comme ça. Dire que je dois définir, mais non, je dois contourner l'affaire. Il faut donc une brigade. La brigade, les gens liés, réfléchis de la même manière pour transmettre cela. Dans nos villages, c'était comme ça. Le chef n'imposait pas qu'on ne vous trompe pas par les étrangers. Le chef n'imposait pas sa mentalité. Le chef te posait la question, est-ce que yo moni pana yo moni dengeni au moni dengeni, comment voyez-vous, quelle est votre mentalité, quelque chose de stable? Ceci ne peut se faire qu'en faisant allusion à notre façon d'être. Et le miroir de notre façon d'être, c'est notre langue qui traduit notre mentalité. Voilà, nous revenons et je crois qu'il y a une parfaite symbiose entre vos actions menées sur terrain et la réflexion du savant. Je retiens ici le mot situ. Situ, c'est un Kikongo, hein, mais c'est le site dont il a parlé. C'est citoyen. Donc nous devons protéger nos sites de manière à ce que nous puissions aller de l'avant. Mais il a parlé de quelque chose d'important sur lequel je voudrais que vous puissiez revenir rapidement. Il parle de brigade de changement de mentalité. C'est ce que vous avez fait un peu sur la route. Alors dites-moi un peu, si c'était aussi bien pensé, si le chef de l'État y a mis toute sa mentalité, pourquoi les moyens ne sont pas venus? Pourquoi? Qui a saboté cette action? Bon, il faut dire que, est-ce que les moyens ne sont pas arrivés parce que, bon, voilà, nous étions des enfants pauvres de la République, ou parce que le moyen devrait être redirigé vers l'Est, là où nos frères et nos sœurs sont lâchement tués par une rébellion manipulée, lâche, et tout cela. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il dit, c'est d'autant vrai, c'est un concept de la CICM, la Brigade du Changement de Mentalité. Donc, nous avons commencé avec les volontaires, nous avons lancé le bénévole,
C'est une brigade qui va, que nous allons amplifier dans les jours à venir. Vous allez d'ailleurs l'entendre, le voir, pour la sensibilisation dans différentes thématiques. Je ferme tout de suite la parenthèse parce que ça va venir le mois prochain ou le. Nous sommes en tout cas, nous l'avons dit. Oui. Nous sommes, en tant que Géopolis Télévision, nous sommes décidés d'accompagner les changements de mentalité parce que nous estimons que nous allons faire notre part en tant que médias. Il faut que les choses changent. Alors d'ailleurs, parce qu'on va aller vers la fin de cette émission, pour pouvoir remettre un peu les gens dans le bain, parce que cette émission était introductive à des émissions que nous allons consacrer essentiellement au changement de mentalité, et nous espérons que le coordonnateur sera disponible parce qu'il a parlé des 4 éléments de socialisation. Nous allons essayer pour chaque élément une émission, approfondir les raisons, pourquoi les familles sont disloquées, quels sont les problèmes qui sont liés aujourd'hui aux familles et comment les familles peuvent faire pour pouvoir s'en sortir. Nous irons aux écoles, nous parlerons des églises, nous parlerons des médias. Tout ceci doit changer parce que nous, en tant que peuple africain, notre sort a toujours été de nous battre pour un changement. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement pour sortir de l'esclavage. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement pour sortir de la colonisation. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement pour sortir de la dictature. Chaque fois, nous nous sommes toujours battus pour qu'il y ait changement. Et les changements s'est opéré quand nous serons des êtres autonomes, libres. Alors, pour pouvoir parler un peu de mentalité, nous avons voulu mettre un petit document à la fin de cette émission, 2 minutes, question de mettre un peu à la bouche de l'eau, etc., pour que les gens sentent que les changements de mentalité, ce n'est pas seulement ici, c'est une question universelle. Et l'histoire de l'humanité a été l'histoire de sa mentalité. Et le changement de mentalité a été au cœur de la civilisation humaine. Suivons ce petit document et puis nous allons le retrouver pour clôturer. L'histoire de mentalité est un domaine d'étude qui examine l'évolution des attitudes, de croyances et des comportements des individus au fil du temps. Voici une brève histoire des mentalités dans le monde. Antiquité. Dans les sociétés antiques, les mentalités étaient souvent marquées par des croyances religieuses fortes et une hiérarchie sociale rigide. Les philosophes grecs comme Socrate, Platon et Aristote ont influencé les mentalités en proposant des idées sur la morale, la politique et la connaissance. Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, la mentalité était fortement influencée par la religion chrétienne. La foi catholique était omniprésente et régnait sur tous les aspects de la vie, de la politique à la vie quotidienne. Les mentalités étaient marquées par la croyance en un ordre divin, la peur de la damnation et une vision du monde centrée sur Dieu. Renaissance. La Renaissance a marqué un changement majeur dans les mentalités. Les idées humanistes ont commencé à émerger, mettant l'accent sur la valeur de l'individu, la curiosité intellectuelle et la recherche des connaissances. Les mentalités ont été influencées par des penseurs tels que Erasme, Thomas More et Michel de Montaigne. Lumière. Au XVIIIe siècle, les Lumières ont apporté une nouvelle vision des mentalités. Les penseurs des Lumières tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu ont promu la raison, la liberté individuelle et les droits de l'homme. Les mentalités ont été marquées par une remise en question des autorités traditionnelles et une recherche de progrès et des libertés. Époque contemporaine. Au cours des siècles suivants, les mentalités ont continué à évoluer en fonction des changements politiques, sociaux et culturels. Les idées des mouvements politiques, tels que le libéralisme, le socialisme et le féminisme, ont influencé les mentalités et ont conduit à des transformations significatives dans la société. Au cours du XXe siècle, les mentalités ont été marquées par des événements tels que les deux guerres mondiales, les mouvements de décolonisation, les avancées technologiques et les changements sociaux rapides. Les mentalités ont été influencés par des courants philosophiques et idéologiques tels que l'existentialisme, le marxisme, le féminisme et le multiculturalisme. Mondialisation et digitalisation. Avec l'avènement de la mondialisation et de la digitalisation, les mentalités ont été influencées par la connectivité mondiale et l'accès à l'information instantanée. Les attitudes envers la diversité culturelle, le droit de l'homme, l'environnement et les nouvelles technologies ont évolué, reflétant les défis et les opportunités de cette
sociétaires modernes. Il convient de noter que cette histoire succincte de mentalité dans le monde ne peut pas rendre compte de toutes les nuances et des multiples influences qui ont façonné les mentalités au fil du temps. Les mentalités sont complexes et diverses et elles sont continuellement influencées par des facteurs individuels, sociaux, culturels, politiques et économiques. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première émission. Si vous permettez, si je peux dire quelque chose. Vous allez dire, c'est pour vous que je suis là. Donc, je dis, nous arrivons à la fin de cette nouvelle émission et je vais demander à mon invité de réagir par rapport à ce document, parce que c'est un document qui doit susciter les débats. Nous l'avons mis, nous l'avons fait pour vous. Alors, vous avez la réaction et puis vous aurez votre dernier mot de la fin. Ben, ce document est en train de nous projeter ou de faire la rétrospection de différents paradigmes qui ont, on va dire, influencé une façon des populations d'agir pendant des époques bien déterminées. Donc, ce qui voulait dire ceci, que pendant ces périodes-là, on dit la période de la lumière, et on donne les éléments, on va dire, fondamentaux, mais au même moment, il faut rentrer dans la profondeur pour pouvoir maintenant disséquer ce que ces éléments ont eu à produire comme impact pour que les gens commencent à se comporter de la manière dont ils se comportent. Je vais donner un exemple pour aller terminer. Le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est un outil très important qui nous permet de pouvoir véhiculer des informations et à opérer tout ce qu'on peut opérer avec beaucoup d'aisance. Mais au même moment, vous allez voir qu'avec son téléphone, des fois, on devient solitaire. Oui. Au lieu d'être solidaire. Social, solidaire. Donc, on peut trouver des gens qui sont cinq dans la même pièce, mais chacun est sur son téléphone. Ils ne se parlent pas. Donc, ça veut dire que, quelque part, si on ne comprend pas les enjeux de paradigme du temps, on peut tomber dans le piège d'être impacté négativement et produire certaines mentalités qui vont être contre nature. Et avec votre autorisation, nous allons développer cela dans les temps à venir, pour nous montrer que nous sommes dans une période très importante. Aujourd'hui, dans notre saison, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été très bien réélu à la tête du pays, et qui a cette détermination de pouvoir changer notre pays par le changement de mentalité, qui est le premier chantier, s'il vous plaît, monsieur Kalingaï, le premier chantier dans notre pays, ce n'est pas Bukangalonzo. Ce n'est pas quoi que ce soit. C'est pas les mines, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Pourquoi ? Parce que tout projet sera mis à l'épreuve de l'homme qui doit le mettre en application. Et si cet homme est corrompu, le projet sera corrompu. Merci beaucoup, le coordonnateur Jacques Angoudia, pasteur. Merci vraiment de votre franchise. Vous avez été à la hauteur de nos attentes et je crois que les téléspectateurs ont suivi que nous venions simplement d'entamer un premier niveau. Dans une discussion profonde, nous devons mettre en place des structures, des débats pour que nous puissions, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Kambayi, nous devons nous regarder. Nous devons nous évaluer. Nous devons extraire de notre société les éléments nocifs à la cohésion et au progrès. Et nous sommes, nous, en tant que Congolais, comme ça, lancés dans une guerre de l'absurde où les choses bonnes, vraies et justes, nous pensons qu'elles ne sont pas, qu'elles sont naturelles. Non, il faut se battre pour le bien. Merci donc de votre présence. Nous vous souhaitons une très très agréable continuité dans le travail que vous faites. Cette émission, vous l'avez compris, nous l'avons dédiée à la mémoire de Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, lui qui reste encore l'apôtre du changement. Tshisekedi Wamulumba nous a dit tenez bon, nous vaincrons un jour. Et la plus grande victoire, c'est ce que l'homme a contre ses propres défauts. Quand l'homme se bat contre ses propres penchants, quand il a vaincu sa propre violence, alors il a gagné. Au revoir et à la prochaine.